Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Et aujourd'hui, mon cher Ryzen, nous allons passer en revue des cartes sorties il y a déjà fort longtemps, mais que nous n'avions pas encore eu l'occasion de reviewer avec vous. Eh bien, on va retourner finalement au Core 7. Hein. Ouais. On va reviewer le retour sur la nuit de la Zélatrice. Renouveau en français. Renouveau la nuit de la Zélatrice. Donc, dans cette boîte, rappelons peut-être rapidement le principe. Donc, le principe, en fait, c'est d'apporter un peu de, j'ai envie de dire, de variété ou de piment. De renouveau. Voilà, un certain renouveau au deck de rencontres que vous, et au scénario que vous avez pu faire. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Et je dois dire que on a fait la campagne en mode renouveau. Ça change clairement le premier scénario qui en avait bien besoin parce que le premier scénario c'était plus le scénario d'initiation du Core 7 et c'est important. C'est quasiment un nouveau scénario, tellement il y a de nouveautés dans ça. Par contre, le reste, le reste c'est juste de la variété supplémentaire. C'est plus de variété, plus de rejouabilité. Finalement, c'est du tout bon. Oui, des nouveaux cultistes, c'est sympa les nouveaux cultistes pour les masses de minuit, même s'il y a quasiment que ça qui change, c'est sympa. Et puis des nouveaux chemins dans les bois, là, bois d'Arkham. C'est pas mal. C'est sympa, voilà. Donc, au niveau scénario, c'est sympa. C'est clairement pas indispensable. Mais c'est très agréable pour les joueurs qui jouent beaucoup et qui veulent rejouer encore et encore ces scénarios. Alors, c'est pas indispensable pour la partie scénario, on est bien d'accord. Oui. Par contre, le fait est qu'il y a des cartes joueurs et donc, pour moi, ça devient indispensable. Oui, il y a des cartes joueurs. Et il y a aussi une magnifique boîte de rangement et aucune ironie dans ce que je dis parce que cette boîte, elle est très très belle. C'est vrai. Elle est très très belle. Et elle a une dimension vraiment très très bien, sauf évidemment peut-être pour la nuit de la Zélatrice, parce qu'il y a moins de cartes dans la nuit de la Zélatrice que pour une campagne complète de 8 scénarios. Maintenant, on peut toujours mettre des standalone derrière. Oui, voilà, il y a toujours moyen de bricoler, mais au moins, c'est une carte de dimension standard, et chaque cycle, chaque campagne aura sa boîte, et donc on va pouvoir ranger ça de manière bien... Alors, il faut pas comparer ça à ce qu'on peut connaître comme au Seigneur des Anneaux, à du Nightmare, parce que ce n'est pas le cas. C'est pas un niveau de difficulté supplémentaire, c'est vraiment... Enfin, si, un petit peu, mais quand même. C'est pas... Mais voilà, le but n'est pas d'augmenter... Je ne me suis pas retrouvé avec la même sensation de « Waouh, c'est trop dur », comme j'ai pu l'avoir avec du Nightmare sur la Seigneur des Anneaux. C'est pas ce cran de difficulté là. Alors depuis le Core 7, on a un pool de cartes qui a évolué, donc quelque part heureusement que ça a été fait en fonction. Mais ça n'est pas infaisable, je veux dire. Infaisable. Il y a toujours les modes de difficulté qui sont là. Si vous voulez de la vraie difficulté à Arkham, choisissez les modes experts. Difficile. Voilà. Et ici, ces cartes-ci ajoutent des choses différentes. Peut-être un poil plus difficile pour certaines cartes, mais ça n'a rien de du tout, effectivement. C'est très sympa. Et l'immersion n'a pas été oubliée. Et c'est cohérent. ces nouveaux ajouts, ça s'insère très bien dans les scénarios. Donc voilà, c'est du tout bon. Maintenant, on n'a pas encore testé le renouveau de Nuit. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, ce renouveau Zélatrice, il est très prochaine très... prochaine vidéo. Ouais. Donc nous passerons en revue le renouveau de Nuit aussi. Je sais pas quand, mais on le fera. Voilà. Alors, on va passer aux cartes joueurs, du coup. On va commencer par entraînement physique. C'est la version pexée, en fait, de niveau 2. C'est ça. Donc, on est en gardien, c'est en soutien. Alors, au niveau des icônes, on a maintenant 2 icônes de volonté et 2 icônes de force. Ça coûte 0. Ah, ça, c'est une grosse différence. Et non plus 2. Et l'effet est le même, en fait. Voilà. C'est du pump, quoi. On pompe ses stats, on dépense une ressource pour avoir un point soit de volonté, soit de force en plus. Voilà, donc en gros, c'est 2 XP pour dépenser 2 de moins pour mettre en jeu la carte et éventuellement avoir 2 icônes de plus pour un test. En fait, c'est très agréable d'avoir une carte gratuite à mettre en jeu. Si on a de l'XP... Voilà, si on a de l'XP à dépenser... Et que cette carte fait partie de votre build, parce que ce n'est pas le cas de tous les decks, c'est très chouette, en fait. Ça offre plus de flexibilité au build. On est très content d'avoir ça. J'ai envie de dire que dans la perspective d'un upgrade de Core 7, c'est une carte très, très, très bien. Oui.
Bon voilà, maintenant si vous avez toute la collection tout, c'est peut-être pas la carte que vous allez mettre dans votre deck. Mais voilà, dans l'optique d'un upgrade de Corset, hein, c'est une très très chouette carte à avoir. Parce que à l'époque du Corset, on a tous utilisé cette carte, voilà, ses talents dans les Oui, différentes classes. c'est Donc sûr. voilà, pas grand-chose à rajouter, hein, c'est juste une diminution de coût et c'est toujours appréciable. Oui, Si on a de l'XP en trop. c'est la même carte, quoi. Vas-y. Alors, l'explosion de dynamite pexée, donc l'explosion de dynamite pexée, donc c'est 2 XP. Elle ne coûte plus que 4 ici, elle Au coûtait lieu de 5 à 5. l'origine. 2 icônes, une icône de volonté et une icône de force. Choisissez soit votre lieu, soit un lieu connexe. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi et chaque investigateur dans le lieu choisi. Cette action ne provoque pas d'attaque Donc d'opportunité. finalement, la différence, c'est l'attaque d'opportunité qui n'est pas déclenchée et le coût qui est moindre. Les icônes, je suis pas sûr par contre. Je sais pas te dire avec les icônes, je suis pas certain non plus. Attends, je vais regarder. Vas-y, meuf. Il n'y a L'explosion de qu'une dynamite, icône. ça a toujours été sympa. J'ai toujours bien aimé cette carte, ça peut faire des ravages. Quand elle coûtait 5, c'était difficile à utiliser, hein, quand elle coûtait 5. Ici, elle coûte 1 de moins, mais c'est 20% de moins le coût. Ça peut vraiment. Je la trouve encore plus jouable comme ça. Maintenant, il faut mettre les 2 XP. Ça la rend plus jouable. Alors, tu as la réponse à ma Oui, question? c'est une C'est icône de celle-là? force en Voilà. plus. Ah, une icône de force en Voilà. plus. Et Ok. comment dire? À noter que c'est une carte tactique, donc on peut la mettre sous Stick to the Plan, qui en français se dit, Sans je ne sais tenir au plus. plan. Voilà, sans tenir au plan. Donc ça veut dire qu'on peut avoir ça quasiment en main de départ. Voilà. Maintenant, bon, la dynamite, bah, je ne l'ai plus joué ni vu jouer Non, mais depuis un ça, c'est petit parce que temps. nous, on joue à deux ou en solo et que la dynamite, faut reconnaître que à un ou deux joueurs, c'est moins impactant que si c'est sur une table de 3 ou 4 où les ennemis peuvent Ouais, c'est s'accumuler. sûr. Alors là, tu peux mettre en place une stratégie pour faire un méchoui d'ennemis avec un bon petit coup de dynamite. Donc, voilà. Donc. Moi je préfère l'arc à répétition, c'est très efficace. Oui, Mais bon, effectivement. Ça ça c'est mériterait une vidéo une presque. vidéo rien que pour ça. On Hein, pourrait, hein, la prochaine fois, on pourrait. Allez, on va pas. Alors, hyper conscience, Bah ben voilà, t'en fais deux de voilà. suite. Et Ok, oui, bah d'accord. écoute, Non, mais ben, ça c'est pour va. t'éviter de devoir faire tous les talents pexés, tu vois? Ah oui, d'accord. Ok, D'accord? Donc je ok. t'épargne tous les talents pexés, parce que tu vas encore dire que je te réduis à un rôle de sous-fifre Comme juste d'habitude, pour quoi. pouvoir. Et là, tu te fais passer le bon rôle, hein? Voilà, hein? Voilà. Donc voilà, je suis généreux, vous voyez? La générosité, le Non, partage, le c'est juste du sacrifice. paraître. C'est juste du paraître. Alors, être ou paraître, telle n'est pas la question. Parce que le choix est vite fait. Bon, alors, donc une hyperconscience pexée, ben, c'est exactement le même principe que pour l'entraînement physique pexé. 2 XP, une icône de chaque en plus, donc une C'est icône ça. d'intelligence, une icône d'évasion en plus. Et puis c'est Et c'est tout. gratuit, et puis c'est tout. L'effet ne change pas. Et commentaire, ben, le même que pour la carte précédente. Que voulez-vous? On va pas reviewer, revoir les effets de ces cartes talents. On l'a déjà fait, on vous renvoie aux vidéos du corset. Notre avis n'a pas changé, si ce n'est que ces cartes sont moins utilisées aujourd'hui qu'à l'époque. Mais de nouveau, dans le cadre d'un upgrade de Corset, c'est appréciable. Allez, la suivante, ça va être Alors, fun la suivante. la barricade Ils ont osé. niveau 3 De niveau 3. qui coûte 0. Alors, chaque fois qu'un. Donc, il y a trois icônes, c'est gratuit, une icône de volonté, une icône d'intelligence, une icône d'agilité. Attachée à votre lieu, les ennemis non élites ne peuvent pas aller dans votre lieu ou apparaître dans le Oui, être lieu généré. attaché. Chaque fois qu'un ennemi devrait être généré dans votre lieu, Dans le lieu attaché. oui, dans le lieu attaché, pardon, générez-le dans un lieu connexe à la place, si possible. Donc ici, la différence principale, c'est que ça s'applique aussi à la génération Alors, d'ennemis. attention que ça a été faqué. C'est chaque fois qu'un ennemi non élite devrait être généré. Donc ici, Ah oui, ça n'a pas été précisé, il n'y a oui. pas de différence entre. Donc ici, il y a deux effets en fait. Quand un ennemi entre dans le lieu attaché, ou alors quand un ennemi génère.
Oui, c'est un ennemi non élite. Et il n'est pas précisé que c'est un ennemi non élite sur la carte en VO, en tout cas, je ne sais pas très bien en VF, mais il n'est pas précisé le non élite sur l'ennemi qui est généré. Oui, je n'ai pas l'image de la carte en VF, donc ça, je ne sais pas dire si l'image de la carte en VF corrige ça. Ce serait étonnant. Ça m'étonnerait fort, effectivement, que la carte en VF soit bonne et pas la carte en VO. Ce serait une grande première. Est-ce que la traduction est plus forte que l'original? Ça, j'ai de sérieux doutes, tu vois. Barricade. Ah, c'est un event, hein, c'est ça? Non, barricade, oui, c'est un event, barricade. Il me semble bien. J'en vois une là, j'ai vu une barricade, c'est dans l'XP. Voilà, et eh bien non, évidemment. Bah non. Évidemment, ce n'est pas non plus. Ça a été bien traduit. Oui, ça a été bien traduit, effectivement. Ben, je dis pas bravo au concepteur de la carte qui ont fait cette petite boulette et qui a été raté très rapidement après la sortie du truc. Enfin bon, soit. On va pas chicaner. Donc voilà, donc la différence par rapport au barricade d'origine, c'est qu'ici, les ennemis ne peuvent pas être générés non plus. Voilà. Hein, donc, est-ce que ça vaut 3 XP? Quand on voit la barrique d'où on vient, c'est mieux. Quand on voit d'où on vient, c'est nettement mieux. Mais 3 XP. Oui, et puis il y a, bah non, le coût elle-même. Et puis il y a aussi le fait que on doit pas défausser la barricade quand on a investigateur. Ah si, c'est toujours là ça. J'ai oublié de le dire, forcer quand un investigateur quitte le lieu, ouais, oui. On doit défausser la barricade. La seule différence, c'est qu'ils peuvent pas popper non plus. 3 XP pour ça, c'est dur. Hein. Ouais, c'est... Alors... Bon, barricade sous la table. Oh, arrête. C'est jouable. mais je jouerais plutôt la version de base, du coup. Pour 3 XP. Mmh. Ouais, 3 XP. Alors, on passe à coup dur, la version PEXE. Bah, j'ai envie de vous dire, même commentaire qu'avant, hein, ça coûte 2 XP, ça coûte 0 ressources. C'est une icône en plus de force et une icône en plus d'agilité. Et puis, sinon, la carte, elle reste la même. Elle reste la même et je vois pas ce qu'on pourrait apporter comme commentaire en plus par rapport au précédent. Voilà. Donc, je propose de passer directement à série gagnante. Série gagnante, on est dans un événement truand, chance, qui coûte 5, qui coûte 2 XP, donc c'est un série gagnante intermédiaire en fait. Bah, enfin, c'est un downgrade par rapport à la série gagnante existante. Ouais, oui. Mais c'est un intermédiaire par rapport au... Pas intermédiaire, puisque quand tu dis intermédiaire, ça implique... Ah oui, non, c'est vrai, il n'y a jamais eu qu'un seul série gagnante, voilà. Donc c'est un série gagnante du pauvre. Le série gagnante qui peut être splashé. Hein, c'est la 2 XP, donc c'est le série gagnante splashable, le série gagnante du pot. Et celui que tu es obligé de mettre dans ton deck fine parce que l'autre est trop excé. Ouais. Et donc, c'est un event qui coûte 5, 2 XP, une icône de volonté et qui dit gagner 10 ressources. Donc ici, vous faites un gain net de 5 ressources au lieu des 7 du série gagnante 4 XP. Ce qui, ma foi, est très très bien quand même. C'est très appréciable, oui. Pour 2 XP. Oui. T1 pour le retrouver avec 10 ressources. Parfois. Voilà, maintenant, est-ce que c'est pas mieux de mettre la planque niveau 3 qui te coûte 0, te met 4 ressources? Voilà, c'est du neutre, ça se joue partout. Oui. Voilà, enfin, je dis ça comme ça. Hein. Ouais. Et t'économises un XP. Hein. T'économises un XP, mais tu gagnes une ressource de plus. Tu as un prérequis de 5 ressources. Oui. Ce qui peut être un peu compliqué, ça dépend de ton deck en fait. Si t'es en truand. Ah, ok. Bah, écoute, ça c'est comme dans Netrunner, hein, t'as envie de l'avoir, comme le pari. Pari truc et Netrunner, c'est le genre de carte que tu veux avoir tour 1. Ah oui, on est d'accord. Voilà, donc ça, pour avoir tour 1, ça c'est pour de l'early game, ça. Donc. L'autre, elle te sauve plus de situation. Ouais. Mmh. Ouais. Celle-ci est plus efficace, mais uniquement en early game. C'est ça. Donc, voilà. Mais moi j'aime bien la série gagnante, j'aime bien le design de la carte. On est tout à fait d'accord, je la joue et je n'ai aucun souci avec ça. Mais en fait ce qu'il y a c'est que je la jouais et je regardais un petit peu de haut la planque de niveau 3 en me disant mais non, je vais pas jouer ça. Et puis bon,
J'ai fait un deck qui utilisait les deux facettes de la planque et finalement, je Oui, trouve que c'est très forcément, bien. si tu utilises les deux facettes de la planque, évidemment que la planque est meilleure. Mais voilà, Mais en termes de du gain de ressources, ceci reste meilleur, mais Oui, mais ce que, moins ce fiable. que je veux dire aussi, c'est que bah, je négligeais également la planque dans des decks non truands. Tu vois, la planque pexée en me disant, je vais quand même pas mettre 3 XP pour gagner juste un de plus. Rien ne t'empêche de mettre les deux, hein, Ouais, tout à si fait. tu veux vraiment gagner de la thune. Ouais. Donc, voilà, ça part, moi j'aime bien. Ça fait un intermédiaire, c'est splashable dans d'autres Oui, c'est decks. surtout ça. Ça C'est permet ça qui est bien. d'être splashé. C'est ça qui est bien. Parce que le truand, lui, il va aller vers la série gagnante, Bah niveau oui, 4. qui est beaucoup plus intéressante, évidemment. Alors, je vais faire celle-là. Hein. Donc, Oui. étude des arcanes, c'est la même chose que pour les autres talents. Bah voilà, pas besoin d'en dire plus. À toi. Ouais, enfin, il y a quand même les icônes, ses volontés et Oui, intelligence, une hein, je me icône de rappelle. volonté d'intelligence en plus, et c'est gratuit. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on dit Mémoire ça? effacée. Mémoire effacée de niveau 3, il existe déjà un mémoire effacée bah, de niveau 1, qui est le premier hein, de base. Donc, c'est rapide à jouer après qu'une phase commence. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu jusqu'à la fin de la phase. Réduisez les dommages et horreurs faits par l'ennemi par 1 et traitez sa boîte de texte comme si c'était blanc, excepté les traits. Voilà, donc la différence par rapport aux mémoires effacées de niveau 1, c'est que ici il y a la réduction des dégâts et horreurs de l'ennemi qu'il n'y avait pas dans la version de base. Et c'est tout. Ça vaut 2 XP de plus, ça. Ouais, sur le long terme, ça peut être bien. Je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai jamais joué, en fait. Jamais joué non plus parce que j'ai jamais été vraiment convaincu de la plus-value de cette carte. Il faut vraiment avoir un ennemi bien spécifique qui a un effet de texte, un texte de bien chiant Ah, ou dans. alors tu te dis que tu vas faire un deck qui gère les ennemis de manière différente, pour le fun, tu sais. Et tu joues les sorts mystiques un peu bizarres, Ouais. l'éclat du néant, enfin ce genre de choses. Ouais. 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 Je sais pas. Ouais. Ouais, enfin, c'est rapide, mais j'ai vraiment un petit peu de mal à me dire, voilà, vraiment pour les ennemis chiants, leur enlever le texte dans la boîte de texte, mais le moins un dégâts, le moins un horreur, je sais pas. Ouais, c'est une manière de réduire la puissance de l'attaque de l'ennemi, mais Bah, tu sais un bon si ennemi est un ennemi mort, donc. tu sais si t'as un ennemi qui tape à 1, Oui, il tapera à il zéro. tapera à 0, donc t'es con à partir de ce moment-là et ça ne s'en va pas. Comment ça se passe? Non, c'est jusqu'à la fin de la phase seulement. Donc Ouais. ouais. Ouais, c'est pas. Autant feinter le truc, autant. Enfin. En Voilà. truand, il y a suggestion, en gardien, il y a feinte. Et ici, ça se joue qu'en mystique, hein, c'est niveau 3. C'est un sort qui se joue qu'en mystique en niveau 3. Je sais pas, je sais pas, je vois pas trop Non, l'intérêt, je vois pas trop l'intérêt. je suis d'accord. Alors, Deep Deep en français, Se c'est. surpasser. Voilà. Bah, même review que pour les cartes précédentes. Les icônes ici, c'est agilité et volonté. Ça coûte toujours 0, ça vaut toujours 2 XP. Et voilà. Allez, je te laisse faire. Ah, oh, tu es trop bon. La dernière carte, du Ouais. coup. Eh bien, c'est la patte de lapin qui est à 3 XP maintenant au lieu de bah, 0, puisque voilà. Ça a une icône libre et ça dit après que vous ratez un test de compétence, inclinez la patte de lapin, recherchez parmi les X premières cartes de votre deck pour une carte. Piochez-la et mélangez votre deck. X, c'est l'écart par lequel vous avez raté le test. Voilà, Eh ben, la patte de ça. lapin niveau 0, elle disait simplement piocher une carte. Ouais, je dois dire que ceci, c'est quand même très très bien. Alors Ouais. pourquoi?
Parce que, bien, ça permet de filtrer les faiblesses, ne Voilà, serait-ce que ça. c'est ça. Ne serait-ce que ça, sans compter le fait que bah, la pioche elle est sélective, le fait aussi de repousser les faiblesses de votre deck, c'est quand même pas mal du tout. C'est très très bien. Moi j'aime bien cette patte de Ouais. lapin pexé. Maintenant, faut mettre les 3 XP. Ouais, il y aurait eu 2 XP, j'aurais rien dit. Mais 3, c'est un chouïa cher. l'effet est incontestablement plus intéressant que Ah la oui, patte de lapin c'est de sûr. base, qui était déjà une très bonne carte, je Oui, trouve. tout à fait. Mais voilà, faut trouver les 3 XP pour mettre ça. C'est peut-être ça le point faible de la carte. Ben, ou alors, tu joues dessus, quoi. Oui, ou Tu alors sais, voilà, tu te dis tu que vas lancer des investigations. dans un deck Calvin, c'est un pexage qui se justifie assez tôt, hein. Oui, tout à fait. Bon, il faut qu'il survive le premier scénario pour avoir 3 Oui, XP. mais de toute façon, lui, il a besoin de prendre des dégâts, donc Ouais, je suis d'accord. y a moyen, y a moyen de faire des Non, mais trucs. on Tu fais peut. des tests avec. Ouais, non, dans un deck Calvin, tu démarres à zéro, boum, tu peux aller chercher ce dont tu as besoin dans ton deck. Moi, oui, dans un deck Calvin, je vais le mettre. Dans mon deck Calvin, je vais la mettre. La patte de lapin pexé. Mais c'est une belle carte. C'est une belle carte. Eh bien, ouais. Et ben voilà. C'est déjà fini. Globalement, que penser finalement de ces ajouts de cartes Bah, renouveau au niveau des joueurs cartes joueurs? c'est du tout bon. C'est du tout bon. Et en fait, ce n'est que du renouveau de cartes existantes. Oui, effectivement, il n'y a pas de nouvelles Il cartes n'y a pas de ici. nouvelles cartes. Et je dois dire que globalement, l'ajout est plutôt bien fait, bien pensé. Voilà. Oui, rien à vous faire regretter de ne pas avoir la boîte si vous n'avez pas envie d'avoir la boîte, mais c'est top. Plus bien agréable pour ceux qui s'achètent la boîte. Oui, parce Voilà. que il faut quand même dire que ben voilà, est-ce qu'on a besoin d'une dynamite pexée? Non. Est-ce qu'on a besoin d'une barricade pexée? Ben non. Est-ce qu'on a besoin d'une série gagnante à Là, travers? c'est Ah intéressant. oui. Là, c'est vraiment intéressant pour Oui, la série oui. gagnante, parce que ça ouvre des perspectives. Est-ce qu'on a besoin du nouveau sort mystique? Ben non. Non. La patte de lapin, par contre, là, c'est Attends, intéressant. c'est intéressant, mais est-ce qu'on en Est-ce a qu'on a besoin? besoin? Non. Parce que Non. c'est de l'exclusivement survivant, ça. Oui. Donc, Non, on n'en a pas besoin, mais mais c'est c'est intéressant, c'est intéressant. une belle carte. Et puis, il y a toutes les 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 talents, talents, oui. les 5 talents pexés. Bah ça, c'est indéniablement très intéressant. Effectivement, En plus, beaucoup plus efficace. il y a deux icônes sur chaque carte. Donc, et ce n'est que 2 XP, ça veut dire que ça se splash. Oui. Donc ça, c'est quand même difficile de passer à côté, quoi. Sachant Off, oui. en plus que ça coûte 0 à chaque fois. Bon, ces cartes, ce sont des cartes qui coûtent cher. Donc le fait d'économiser 2 ressources, ça vaut vraiment la peine. Ça veut dire que c'est un test de plus réussi quelque part. Tout à fait. Voilà, en fait, le seul petit défaut qu'on pourrait pointer de cette boîte, finalement, c'est son prix. Hein, en termes de rapport qualité, enfin, rapport quantité-prix, on va dire ça, c'est quand même un peu cher. Est-ce que c'est le même prix de retour que de retour à Venlo? Oui, Oui, je ça pense. c'est. Et donc, le prix est un peu. Voilà, c'est ça. C'est le Je prends, prix, je prends. c'est cher pour avoir 10 cartes joueurs de plus, quelques cartes scénario en plus et une belle boîte. Mais quand on a l'âme d'un collectionneur, quand on aime, ben on compte pas. Donc, Nous, on l'a prise et c'est des beaux objets. on ne s'est même pas posé la question, bien Voilà. évidemment. Maintenant, je trouve regrettable qu'ils aient fait le même prix pour ceci et le retour à Dunwich. Bah, Ben je pense, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le même prix. y a quand même beaucoup plus de choses qui apparaissent, quoi. Alors peut-être pas en termes de cartes, parce que c'est vrai qu'ils se sont bien fait chier sur le premier scénario et donc Il y a beaucoup de cartes il y a dans le beaucoup. nouveau scénario. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cartes dans le premier scénario. Donc, si vous me dites oui, mais en termes de cartes, c'est pareil, peut-être, en fait, j'en sais rien. Attends, Maintenant. je vais vérifier le prix. Ah non, la nuit des Azélatrices est un petit peu moins chère. Ah, ok. Mais voilà, 25 euros pour le prix de la Azélatrice, 30 euros pour le renouveau de Nuitch. C'est cher vu le nombre de cartes que vous avez dedans.
C'est incontestablement très cher. C'est le prix d'une Deluxe. Vous avez beaucoup moins de cartes qu'une Deluxe dedans. C'est pas 35 euros une Deluxe. Une Deluxe, non, non, une Deluxe, on n'est pas du tout dans ce prix-là. Hein. Dans une Deluxe, c'est 30 euros hein, sur le prix distributeur, enfin le prix éditeur. Ouais. Donc c'est le même prix qu'une Deluxe. Vous avez moins de matos que dans une Deluxe, mais vous avez cette belle boîte de rangement, des intercalaires aussi pour ranger vos cartes. Certains crieront à l'arnaque. Moi, je suis pas de ceux-là. Est-ce que regarde la boîte, la boîte que j'ai là, cette boîte-là. Hein, on va pas faire de pub, mais ça vaut 30 balles, non? Ouais, c'est ça. Donc finalement, on te donne. Alors certes, c'est pas le même matériau, c'est pas. Mais la dimension est la même, la robustesse, je pense, est un peu moindre. Oui, de la boîte en carton est un peu moindre, mais elle est nettement plus jolie. Et il y a un contenu en plus. Bah oui, je la vois là, ta boîte Zénatrice. Donc c'est vraiment ouais. Je vais la sortir. C'est un achat dispensable mais tellement beau. Regarde, c'est quand même très joli. Et vous pouvez ranger ça dans tous les sens parce qu'ils ont vraiment prévu de tous les côtés. Même derrière. Et même le petit côté là que tu n'as pas montré. Non. Voilà. Enfin, c'est très chouette d'avoir ça. Enfin, pour les collectionneurs, c'est vraiment chouette. Et je ne crie pas au scandale pour le prix, je trouve, finalement. Quand tu regardes, t'as quand même une boîte qui est en carton solide, ce que tu n'as pas dans les Deluxe. Ouais, non, là, c'est vrai. Tu as des intercalaires avec chaque fois le sigle des différentes extensions. Des sets de rencontres. Des différents sets de rencontres, pardon. Quand tu compares ça avec des boîtes comme ceci, ouais, je crie pas au scandale. Voilà. Certains le feront, mais. Oui, je comprends. Moi, je comprends ceux qui disent que c'est rapport qualité-prix exécrable. Enfin, j'aime pas qualité-prix, plutôt rapport quantité-prix. Parce que la qualité, elle y est. Ah, si on ne regarde que les cartes et si on fait fi de la boîte, oui. Voilà. Mais certains critiquent aussi la boîte. Mais moi, je trouve que non. Cette boîte n'est pas critiquable. Elle est parfaite, cette boîte. Elle a des dimensions parfaites. Elle est bien décorée. Elle se range bien. Toutes les boîtes auront le même layout, le même design, les mêmes dimensions. C'est vrai que pour la nuit de la Zélatrice, elle est un peu petite. C'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà celle de Dunwich. Enfin, c'est tout aussi joli, c'est tout aussi. Et dans celle de Dunwich, moi j'ai réussi à ranger toute la campagne de Dunwich en sleeve et Dragon Shield. Oui, on cite plein de marques aujourd'hui. En sleeve et Dragon Shield, donc qui sont des sleeves très épaisses. Moi j'avais pas cité, mais bon. C'était de l'Ultimate Guard. Et ça rentre, nickel chrome, pile poil, c'est parfait. Donc voilà, ils ont pensé aussi à ceux qui sleeve avec du gros, avec de la sleeve épaisse. Ben, les sleeves FFG sont des sleeves assez épaisses aussi, hein. Donc ils ont pensé à eux évidemment. Et donc c'est bien, c'est vraiment bien. Maintenant évidemment, je comprends ceux qui ne sleeve pas ou qui sleeve avec du fin, qui se retrouvent avec un espace vide, qui sont moins contents. Ah voilà, il y a moyen de le remplir cet espace vide avec autre chose, un peu de découpage de la serre en carton, un peu de bricolage. On voit des gens qui nous font des boîtes mais bricolées absolument magnifiques. Et il faut pas croire que ces boîtes leur coûtent moins cher, hein. Moi quand je vois un magnifique coffre Arkham qui a été spécialement conçu, hein, donc un coffre de récupération puis qui a été peint, décoré, bricolé avec des inserts et tout, j'admire, c'est magnifique, mais en termes de coût, d'investissement, voilà, si tu prends le temps en plus que tu y passes, t'es largement aussi dans des budgets importants, donc voilà, je crois qu'il faut pas non plus tirer sur le pianiste. Et donc finalement, pour les gens qui jouent, qui veulent juste connaître l'histoire et faire des decks pour s'amuser, il n'y a pas besoin de cette boîte. Non, voilà. C'est pas une boîte indispensable, c'est une boîte pour les collectionneurs, pour les vrais passionnés. Ou pour ceux qui veulent avoir toutes les cartes joueurs. Voilà. Personnellement, je suis très content. Oui, moi aussi. Voilà, si vous débutez Arkham, c'est pas votre premier achat, quoi. Voilà, il faut pas se dire, j'ai la nuit de la Zélatrice, j'ai mon corset. Est-ce que je dois investir dans un renouveau ou est-ce que je dois investir dans une campagne? Ouais, alors moi, je vous conseillerais plutôt de faire les campagnes suivantes, d'avoir votre exemplaire de chaque campagne qui est sortie. On va le dire ça comme ça. Hein.
dans l'ordre. Commencez dans l'ordre, parce que Ouais. ne commencez pas à acheter la civilisation oubliée si vous n'avez pas d'Inu de Nuit ou Ça Kerkosa, risque de faire mal. sinon ça va être très compliqué pour vous. Je pense qu'il faut vraiment suivre les choses dans l'ordre de sortie, c'est-à-dire d'abord De Nuit, de l'héritage de Nuit, c'est ça. Nuit, puis Le chemin la de route de Carcosa, Carcosa, la civilisation et la oubliée, civilisation oubliée, et puis le le cercle cercle brisé, brisé on va voir ce que ça donne. qui va arriver. Et puis ensuite seulement, une fois que vous avez ça, et une fois que vous avez ces scénarios, je veux dire, établis, bah, éventuellement, si vous avez envie de faire plus de variétés ou d'une collection archi complète, bah oui, prenez les renouveaux. En plus, c'est très chouette, moi je trouve, cette solution de rangement qu'ils offrent. Voilà. Parce que finalement, j'achetais des boîtes pour mettre un cycle Arcane par boîte. Bah, quelque part, alors oui, je dois toujours l'acheter, mais pour le même prix que ce que j'allais payer ma boîte toute seule, bah, je me retrouve avec deux cartes en plus et un agrément de scénario. Donc moi, je suis personnellement très content de ça, et voilà. Voilà. Et alors, dernière petite chose dans l'achat, certains, je l'imagine, sont déjà en train de prendre leur clavier. Mais non, c'est n'importe quoi. De nuit, c'est plus dur que Carcosa. De nuit, je suis plus vert que Non, Carcosa. non, mais non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Mais certaines personnes le disent. Ah bon? Évidemment, chacun son ressenti sur les scénarios. Mais je pense que les gens qui ont le sentiment que De nuit, est plus dur que Carcosa, je pense que ce sont aussi des gens qui ont joué avec un pool de cartes plus restreint sur De Nuit que sur Carcosa. Et donc c'est vrai qu'au début, quand tu joues De Nuit, Ah que tu oui. sors de ton corset et que tu commences De Nuit, c'est vrai que ça fait mal. Mais aujourd'hui, rejouer De Nuit avec le pool de cartes qu'on a aujourd'hui, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est une promenade de santé, mais on n'en est pas loin. Ouais, Donc c'est ça. voilà, il y a du power creeping, c'est normal. Dans tout jeu évolutif, ben, ça évolue. Et donc forcément, si Ouais, tu veux c'est faire sûr. évoluer un jeu, il faut faire évoluer sa difficulté, parce qu'on a de plus en plus de solutions pour gérer toutes les difficultés. Donc voilà, donc, en mon sens, en termes de difficulté pure à pool de cartes évolutif, Carcosa était pour moi un peu plus dur que ne l'était que ne l'est de et pour moi un peu plus Bah, dur que ne l'est de finalement, Nuit, à pool de cartes quand égales. tu regardes, finalement, Dunwich, on est mort une fois. Bon, c'était un tirage de merde, mais voilà. Tandis que Carcosa, le premier coup, on a réussi la campagne, quoi. Ouais, mais on a fait des très bons choix à Carcosa. On n'avait pas forcément fait de nuit. Voilà, ça Bon, joue aussi ça. c'est l'expérience aussi Oui, qui mais voilà, compte. mais ça joue aussi. Il n'y a rien à faire. Il y a des chemins qui vont être plus semés d'embûches que d'autres, je pense. Enfin voilà, nous avons un petit peu dévié du sujet d'origine, mais c'était tellement plaisant de vous parler que voilà, nous avons un petit peu continué à discuter. N'hésitez pas à nous laisser vos avis et vos commentaires, nous les lisons toujours avec un énorme intérêt. Et si jamais vous avez une boîte personnalisée où vous rangez vos scénarios, bah, n'hésitez pas à mettre le lien ou la photo en commentaire, on sera très content de voir ça. Oui, effectivement, il y a de très 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 belles boîtes, j'en ai vu vraiment des magnifiques. Bravo à tous ceux qui mettent du temps, de l'énergie et surtout du talent pour réaliser ce genre de choses. Moi, j'admire, je suis incapable de bricoler à ce niveau-là. Allez, sur ce, jouez bien et à bientôt! Salut!